Hey, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. J'avais jamais fait ce type de vidéo avant aujourd'hui et c'est un peu grâce à vous puisque c'est souvent que vous me demandez mes plus belles cartes, ma collection, les photos de ma collection. Alors ma collection vous la voyez puisqu'elle est principalement derrière moi, on voit les classeurs qui sont juste ici, les communes qui sont là et puis les boîtes vides et le décor juste ici. Mais c'est vrai que j'ai quand même quelques petites perles donc je suis content d'avoir. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, je sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, les 10 cartes que je vais vous présenter, c'est pas les 10 cartes les plus chères de ma collection ou les 10 meilleures cartes ou je ne sais quoi, c'est je sais pas, on va dire les 10 cartes que j'apprécie le plus et donc je suis le plus content d'être le possesseur. Je vous montre ça, on passe sans plus attendre à la vidéo. J'ai pas grand chose à vous dire de plus, cette vidéo risque d'être un peu rapide. Je tenais simplement à vous présenter tout ça, à partager ça avec vous et puis bah, j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit pouce en l'air, l'abonnement si c'est pas encore fait. Et puis nous, bah, c'est parti, je vous montre ces cartes là. Donc hop, juste avant de commencer, tac, le macro. J'ai un problème avec mon macro, avec mon téléphone depuis quelques temps, je sais pas pourquoi. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a bien 10 cartes que je vais vous présenter, donc elles sont toutes sous Uploader et Sleeve. Là c'est juste pour la vidéo, elles sont dans mes classeurs, c'est juste histoire de pas les abîmer, je sais pas trop, voilà, j'ai peur de les faire glisser ou de les abîmer ou quoi que ce soit. Et la première carte, tout simplement, un magicien sombre en PCYF004, donc malheureusement c'est pas une première édition, mais elle est quand même super jolie. C'est une carte qui cote à peu près 12 € grosso modo, donc c'est pas une carte avec une énorme valeur, mais voilà, elle est quand même super jolie, franchement. Et donc ça fait partie des cartes que je suis fier de posséder dans ma collection. Tac. Le deuxième, eh bien, c'est tout simplement un dragon aux yeux rouges LDD. Alors malheureusement, il a une pliure et c'est bien dommage, mais voilà, c'est du LDD. C'est pas de la première édition, malheureusement non plus, mais c'est une carte qui est quand même aux alentours de 15aine d'euros. Donc c'est plutôt cool. Et puis, ben, ça reste, voilà, moi je suis content d'avoir cette carte-là. Malheureusement, elle a une pliure, mais c'est vrai que, en fonction de l'angle où on la regarde, on la voit pas forcément, donc ça me va, même si malheureusement, voilà, on voit bien la pliure, mais je suis quand même content d'avoir cette carte-là dans ma collection. La troisième carte, on l'a vu il n'y a pas longtemps puisque c'est une carte que j'ai récupérée dans la dernière collection, je vous mets le lien juste en haut. La collection tout simplement, où j'ouvre, il y a peut-être 5000 ou 6000 cartes à l'intérieur. Et c'est un Raviel, Empereur des Fantasmes. Malheureusement, c'est pas une première édition non plus, mais c'est quand même une carte qui cote aux alentours de 15 € en SOI. Et puis ben là, pour le coup, elle est vraiment pas en trop mauvais état, elle est un petit peu pliée dans les angles. Mais le reste de la carte est vraiment super belle. Et puis voilà, j'adore les Ultimates, vous le savez, je les collectionne. Peut-être qu'un jour, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, je vous montrerai ma collection d'Ultimate. À ce jour, j'en ai une petite cinquantaine quand même, donc ça peut faire une vidéo. N'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, la troisième carte que je suis content et fier de posséder, c'est ce petit Raviel, Empereur de Fantasmes. Malheureusement, pas en première édition. La quatrième carte, c'est Malakoda. Voilà, c'est une carte en ghost. Elle est vraiment super jolie. Je vous en ai parlé, je vous l'ai montré surtout il n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. C'est un échange avec un abonné. C'est une carte qui cote aux alentours de 20 €, grosso modo. Je regarde régulièrement de ce côté-là parce que je connais pas la cote de toutes les cartes et du coup, j'ai un petit papier avec les cotes, tout simplement. Et voilà, c'est une première édition. Elle est vraiment super jolie. Le ghost rare, voilà, en fonction de comment on met la lumière. Là, on n'a plus l'affichage. Là, on la voit. Enfin, vraiment, c'est vraiment super joli. C'est vraiment super cool. Et c'est la quatrième carte de cette petite partie. La cinquième carte, et c'est une carte super importante pour moi puisque c'est vraiment une partie du Yu-Gi-Oh qui est extrêmement présente dans ma vie de joueur, et bien c'est tout simplement le dragon armé des ténèbres en PTDN première édition Secret Rare. C'est une carte aux alentours de 20 €. Malheureusement, elle n'est pas en parfait état. C'est bien dommage, mais cette carte-là est tellement importante pour moi. C'est vraiment la partie du Yu-Gi-Oh! Qui m'a le plus marqué. Je devais avoir 13 ans à cette époque-là. C'était des cartes... à l'époque, je lisais les Dragon Blanc Magazine. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans une vidéo. Je vous mets le lien juste en haut puisque je les ai retrouvées chez mes parents. Et voilà, c'était des cartes... Je voyais des articles avec Vince que j'ai pu rencontrer il n'y a pas longtemps. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Et le fait de l'avoir dans ma collection, eh bien, j'en suis extrêmement content, surtout en première édition en française. Alors elle est pas en parfait état, mais voilà, je suis très très content de l'avoir quand même. On commence avec les cartes un peu lourdes de la collection. Celle-là, elle est assez chaude à trouver, mine de rien. C'est tout simplement une magicienne des ténèbres en plutôt bon état, mine de rien, et surtout en RDS. Voilà, c'est une carte assez emblématique de Yu-Gi-Oh! La RDS en édition limitée, c'est assez cool. Et puis, voilà, c'est vraiment un bel artwork. Elle fait partie de ma collection et je tenais à vous la présenter aujourd'hui, vous la montrer aujourd'hui dans cette vidéo.
Cette carte là, gros big up à toi Obscurity si tu regardes cette vidéo puisque c'est grâce à toi que je l'ai obtenue. C'est tout simplement un petit virus broyeur de cartes en ultimate. Alors c'est pas une première édition mais c'est quand même une carte qui cote pratiquement 25€ voire un peu plus. Elle est vraiment magnifique pour le coup. Hop, j'ai les poils de mon chat sur les top loaders, super. Elle est vraiment superbe, elle est vraiment super jolie. Franchement, pour le coup je me répète hein, mais je la trouve vraiment magnifique. Je sais pas si j'arrive à bien vous montrer les effets et voilà, elle fait partie de cette collection. On arrive dans le top 3, il en reste 3 à vous montrer. L'une des dernières cartes, c'est une carte que je vous ai déjà montrée également, c'est tout simplement le Tyranno Ultime en Ultimate. Donc voilà, ça c'est plutôt très très cool. C'est du POTD, donc là c'est plutôt cool. J'essaierai de vous mettre les éditions qui s'affichent au fur et à mesure dans la vidéo au montage. C'est une carte pratiquement à 30€, je crois qu'elle doit être à 28, quelque chose comme ça. Et elle est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Ça c'est vraiment très très cool. Les deux dernières, elles ont pratiquement la même valeur. Ces deux cartes fusion, juste ici, vous les connaissez. Pour la plupart d'entre vous, ceux qui le suivent sur Instagram, puisque je vous les ai déjà montrés, du moins une. La dernière, je ne vous l'ai jamais montrée, du moins je ne crois pas. Celle-ci, c'est un Neos Rainbow. Elle est vraiment super, super jolie. C'est pareil, c'est pas une première édition, elle n'est pas en française, mais c'est du PTDN. Voilà, big up au petit dragon armé des ténèbres qui est juste ici. Et pour le coup, voilà, c'est encore une fois l'effet... L'effet Ghost est vraiment magnifique, c'est vraiment une superbe carte. C'est une carte qui est pratiquement à 60€, malgré le fait qu'elle ne soit pas une première édition. Je vous laisse imaginer le prix pour les premières éditions. Et voilà, elle est vraiment super jolie. La dernière carte de ma collection, c'est pas une carte qui vaut plus cher que le Neos Rainbow, puisqu'elle vaut exactement le même prix, mais c'est une carte que je trouve vraiment super jolie depuis toujours, et quand j'ai pu l'obtenir, eh ben, j'étais très très content. C'est un Armitil, le fantôme du chaos, donc c'est la fusion des trois bêtes mythiques, et en secret rare, voilà, en ANNPR FR 091. C'est pas une première édition, malheureusement, mais elle est juste ouf, franchement, elle est juste super jolie. Elle n'est pas en parfait état, elle est un petit peu cognée dans les coins, mais elle est quand même super jolie. Et puis voilà, c'était la dernière carte de cette collection, elle vaut plus ou moins 60€ également. Donc si on récapitule, voilà, la petite Armitil, le Rainbow Neos, le Tyranno Ultime en Ultimate, le Virus Broyeur de cartes en Ultimate, la petite Magicienne des Ténèbres en RDS, le Dragon Armé des Ténèbres en PTDN, Secret Rare première édition, la Malakoda, le Raviel, le Dragon Noir aux yeux rouges et le Magicien Sombre. Voilà, c'était le top 10 des cartes que je suis le plus fier de posséder dans ma collection. J'ai pas une collection exceptionnelle, peut-être que vous attendiez à des choses bien plus ouf. Si j'avais voulu vous montrer des cartes de valeur, bah, je vous remontrais du Borel Sword ou du Infinité. Ça n'a pas franchement d'intérêt, mine de rien. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si ce format-là où je vous montre des petites parties de ma collection, j'ai plein d'autres petits trucs cool à vous montrer, ma collection de Toon, toutes ces choses-là. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Abonnez-vous si ça vous a plu. Lâchez le petit pouce en l'air si ça vous a plu. Prenez soin de vous, faites nombre de duels et collection de cartes. Et surtout à bientôt les potes. Allez, ciao !